Bonjour, bienvenue à l'Assemblée générale op de algemene vergadering van SMART. We gaan nu van start met een welkomstwoord van de gedelegeerd bestuurder. On commence par un mot d'accueil par Sandrino Gracefa, l'administrateur délégué de SMART. Ensuite, vous pouvez rester dans cette salle-ci parce que Isabelle Ferreras nous fera le plaisir d'ouvrir aussi la séance, l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Toutes les infos sont dans votre sac. Si vous avez perdu quelque chose, c'est au point d'accueil à l'accueil, au point d'info à l'accueil que vous retrouvez les infos. N'hésitez pas à nous demander ou à poser vos questions. Bienvenue. Merci. Merci Frisia. Merci Frisia. Merci à tous de votre présence. C'est la quatrième année consécutive que chez SMART nous avons initié ce format d'Assemblée générale. C'est vrai que dans beaucoup d'organisations associatives ou coopératives, le temps officiel des instances de type Assemblée générale, c'est quelque chose qui peut devenir assez fastidieux. Si on ne pense pas essayer d'en faire un temps de vie collective, un temps d'échange. Et donc c'est pour la quatrième fois, nous avons pensé ces assemblées générales, pas uniquement comme le temps formel de l'Assemblée générale, où vous le verrez pour ceux qui seront encore là tout à l'heure, on examine les comptes, on prend des décisions, quelquefois on prend des décisions sur des choses qui ont déjà été faites. Donc c'est vrai que l'Assemblée générale, d'un point de vue formel, en respectant les cadres réglementaires et statutaires, ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante et la plus vivante. C'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé d'entourer ce temps formel d'une véritable journée de regroupement où nous accueillons nos membres, nos sociétaires, comme on le dit depuis un an maintenant que nous sommes devenus une coopérative. Nous accueillons aussi de nombreux partenaires, puisque SMART tente de ne pas faire les choses seules. Donc nous sommes nous-mêmes dans un écosystème, comme on le dit aujourd'hui, où nous travaillons avec de très nombreux partenaires. Et donc nous sommes heureux aussi de partager ce temps avec eux. La météo, d'habitude il fait très chaud et aujourd'hui ça démarre plus doucement, mais vous allez voir tout au long de la journée ça va s'améliorer. Et après l'assemblée générale formelle, c'est-à-dire le temps le plus difficile, entre 16 et 18 heures, eh bien, tous ceux qui auront eu le courage de rester jusqu'à 18 heures pourront être récompensés par une magnifique soirée qui débutera à 18 heures sous le soleil, je vous le promets. Je ne fais que des promesses que je tiens, à peu près. Le thème central de cette journée, c'est la coopération. Alors, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que la personne qui va parler après moi, Isabelle Ferreras, je pense, va en parler bien mieux que moi. Mais tout au long de cette journée, vous avez peut-être eu l'occasion de regarder le programme. On va parler de coopération entre membres, entre sociétaires, entre travailleurs, coopération entre pays, notamment entre pays où SMART est présent. On va parler beaucoup de coopération dans une période où la coopération peut ouvrir une bulle d'air, un peu une bulle d'espoir dans une période un peu difficile au niveau de la situation économique, sociale, politique de notre monde. Et donc la coopération, je l'espère, ouvre un peu d'espoir dans un système qui s'asphyxie. Mais je ne vais pas en parler trop longtemps puisque Isabelle le fera beaucoup mieux que moi.
J'espère que vous allez passer une bonne journée. Elle va démarrer avec l'intervention d'Isabelle Ferreras et elle se terminera avant l'Assemblée générale formelle par une petite intervention de Paul Herman. Ouvrir une journée qui commence par Isabelle Ferreras et qui se termine par l'intervention de Paul Herman, c'est pas désagréable. Et donc pour ma part, comme on est déjà en retard, comme d'habitude, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très bonne journée. Tiens le micro. Ça va aller. Alors, poursuivre une journée qui prend la place après Sandrine Ogras-Effard, il faut dire que ce n'est pas désagréable, je suppose. Mais bonjour à tous. Il y a effectivement un écho qui est assez gênant, mais je suppose que je vais m'habituer. Ben vous savez quoi, j'aurais bien été en salle Barcelona pour faire un peu de yoga, mais comme vous, ben je suis là. Et merci d'être présent pour démarrer ensemble cette journée sur la coopération et autour de l'Assemblée générale de SMART. Alors, donc quelques mots à vous dire pour lancer cette journée. L'occasion d'une Assemblée générale SMART, c'est toujours l'occasion de devenir plus SMART. Hein. Donc, on m'a demandé d'alimenter la réflexion sur ce que veut dire et ce qu'est la coopération. Je pense que vous savez tous certainement plus de choses que moi à ce sujet puisque vous êtes là. Et si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Mais quand même, essayons de mettre quelques éléments sur la table. Dans le cadre de notre épopée russe d'hier, je ne sais pas, enfin d'hier et qui se poursuit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un géographe russe qui s'appelle Pierre Kropotkin, qui est né au siècle dernier et qui avait été fort impressionné par l'ouvrage de Charles Darwin, De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Excusez-moi, mais c'est vraiment très gênant, c'est dingue, hein. Oui. Ça, c'est pas possible. Et vous, ça vous gêne aussi, en fait? Oh. Bon, on est dans le même bateau, déjà. Je me sens mieux, parce que j'avais l'impression d'être la seule, là. Oui, je vais m'habituer. Mais j'ai des oreilles très persistantes, malheureusement. Alors, donc, Pierre, mais je vais parler doucement. Je crois que ça va aller mieux, peut-être. Pierre Kropotkin, très impressionné, donc, par cet ouvrage de Darwin, de la sélection naturelle, de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, décide d'aller tester la théorie et se lance dans des expéditions au travers de tout le continent eurasien pour aller vérifier si effectivement c'est le principe de la compétition, de la loi du plus fort, qui explique la survivance ou non des espèces. Aux surprises, systématiquement, il infirme l'hypothèse. Et il publie au début du siècle dernier, donc en 1902, un ouvrage qui a été traduit en français sous le titre de « L'entraide, un facteur de l'évolution » qui démontre la thèse qu'au fond, le principe de la loi naturelle que serait la compétition, wow. Bravo, merci. Ok, merci beaucoup. Ah oui, c'est... Oui, bon. Donc, le principe... la loi naturelle n'est pas la compétition, mais au contraire, serait plutôt l'entraide. Alors, en 2017, vous avez sans doute entendu parler d'un livre qui a un grand succès, qui a été écrit par des arrière-petits-fils spirituels de Pierre Kropotkin, Gauthier Chapelle et Pablo Servigne,
et qu'ils ont intitulé « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Pour synthétiser ce que maintenant un siècle d'observation et de découverte scientifique a permis de conforter. Il le résume comme ceci, les organismes qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas les plus forts, mais sont ceux qui arrivent à coopérer. Voilà le mécanisme de l'évolution qui avait été donc bien trop négligé. Au profit de quoi donc ? Au profit de ce qu'on entend généralement donc comme la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort, la loi de la compétition, le fameux état de nature qui a été si popularisé par Thomas Hobbes, qui est donc central dans la philosophie politique moderne et dans la situation dans laquelle nous vivons toujours aujourd'hui, et face auquel apparaît la nécessité d'un Léviathan. Le Léviathan, c'est quoi ? C'est, rappelez-vous, dans le livre de Job, de la Bible, au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est le monstre qui fait même peur au flot. Donc c'est une sorte d'état Big Brother du futur, capable de contraindre par sa puissance les actions des hommes toujours mauvais. Cette puissance est jugée absolument nécessaire pour assurer un minimum de paix entre les humains. Mais tout ceci, au fond, pour nous rendre compte aujourd'hui que la guerre de tous contre tous, l'expression qui vient de Hobbes, présentée comme un point de réalité indépassable et notre origine, est en fait beaucoup plus l'image de nos peurs, de nos imaginaires, qu'en fait une réalité. Alors les organismes qui survivent donc le mieux dans les conditions difficiles ne sont pas les plus forts, mais sont ceux qui arrivent à coopérer. Voilà donc tout un programme. Et je suis certaine que si vous êtes aujourd'hui ici ce matin, c'est que cette expérience, au fond, ne vous est pas étrangère. Nous avons tous déjà vécu, je pense, cette situation où un groupe d'êtres plus ou moins géniaux sont censés résoudre un problème d'importance. Et puis, tous préoccupés, plus les uns que les autres, à faire la démonstration de leur génie, de leur force, bien finalement, la montagne accouche d'une souris. Et le problème, ben, il vous reste sur les bras. Alors, être en compétition, mettre en concurrence, la guerre de tous contre tous, on voit donc assez bien ce que cela veut dire. Hein ? Mais coopérer. Les ethnologues nous montrent donc très clairement que depuis la nuit des temps, les sociétés humaines, anciennes dites primitives, n'ont pu s'installer dans la durée que parce qu'elles développaient leur esprit coopératif. Et j'aimerais donc profiter de ce temps de parole ce matin pour attirer votre attention sur 5 dimensions particulièrement sensibles dans cet état d'esprit coopératif. Ces dimensions ressortent d'une enquête collaborative que nous menons depuis 18 mois avec et au sein de SMART, que j'ai eu la chance de coordonner, mais avec Julien Charles, qui est dans la salle, le docteur Charles, que beaucoup d'entre vous connaissent, il est là-bas, qui a mené le volet sociologique de l'enquête, et aussi la professeure de droit, Oriane Lamine, qui a mené le volet juridique de l'enquête. Si vous vous êtes intéressé par un retour véritablement sur cette enquête, basée sur des interviews d'une septantaine de membres et de permanents de SMART, tout à l'heure, 13h30, dans la salle mauve, vous saurez à peu près tout. Premier point, et c'était ici que peut-être il y a une DIA pour les génies qui sont en régie, une DIA à afficher sur l'écran dernière moi, simplement pour vous baliser les 5 points que je vais passer en revue. Premièrement, coopérer, coopérare, opérer ensemble, opérer de concert, c'est toujours un mouvement qui est à la fois individuel et collectif. Sans l'un, pas de résultat au niveau global, sans l'autre, aucun accomplissement au niveau individuel. Et cet aspect-là, prendre sérieusement en considération cette dynamique-là, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est pas pour rien qu'on vit dans un monde qui pense qu'il n'y a que l'individu. C'est parce qu'en fait, c'est une facilité de l'esprit. Alors cette action coopérative, elle est dotée d'un but commun, forcément, un but qui doit être suffisamment large que pour que les individus s'y retrouvent et puissent développer le leur au sein même de ce but large.
Chez SMART, il s'agit de construire dans la solidarité, c'est-à-dire la mutualisation des moyens de sécurisation du statut des personnes respectant leur volonté d'autonomie professionnelle. Vous voyez là directement la tension, la dynamique entre le niveau individuel et le niveau collectif. On peut le dire autrement, SMART a l'intention de se constituer en une capacité collective qui rend possible les capacités individuelles, c'est-à-dire des accomplissements au niveau de l'individu qui ne sont permis que parce qu'il y a cette capacitation au niveau collectif. Sans le collectif, pas d'accomplissement individuel, mais s'il n'y a que des individus, absolument aucune réalité collective. La capacité d'avoir accès donc à cette tentative de sécurisation du statut, je ne dis pas que SMART y arrive toujours ou que chaque individu au sein de SMART y parvient toujours, c'est l'enjeu, la finalité poursuivie, est inaccessible sans cette existence d'une entreprise partagée qu'est SMART, donc sans ce collectif. Alors attention, ici le terme d'entreprise peut parfois induire à la confusion car il n'y a pas d'actionnaire à nourrir chez SMART. Il y a une entreprise commune au sens strictement littéral de entreprendre ensemble, c'est-à-dire une expérimentation en cours. Comment s'assurer que ce coopérare, ce rapport individuel-collectif, soit vertueux? Eh bien là, il importe de penser la dynamique entre l'autonomie individuelle et l'autonomie collective. Alors arrêtons-nous un instant sur ce terme, autonomie, autonomos. Vérifier si la DIA était là. Mais... autonomos, mais elle ne serait pas sur la DIA. Hein. Autonomos, nomos, la loi, la règle, auto, à soi-même. Se donner sa propre norme, se donner sa propre règle. Quand la construction donc, de cette autonomie se joue ici au sein de SMART, c'est dans une compréhension que cette autonomie, au niveau individuel, va toujours dépendre d'une autonomie qui doit forcément s'exprimer au niveau collectif. Ce serait une manière, en fait, de définir ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est le principe qui veut que nous vivions ensemble sur base de notre reconnaissance de notre égalité et que cette égalité fonde notre droit à l'autonomie individuelle, mais dans la reconnaissance que cette autonomie individuelle ne va jamais être possible sans l'exercice d'une autonomie collective, c'est-à-dire sans l'exercice à un niveau collectif de cette autonomie. Et construire les moyens d'une autonomie au niveau collectif, ce n'est pas évident. C'est l'enjeu donc de la coopérative. C'est pour ça que... merci. C'est pour ça qu'il était très important l'année passée, effectivement, et c'est un moment à marquer dans l'histoire de SMART, que SMART décide de devenir une coopérative. Une coopérative, c'est quoi? Dans le sens où, en tout cas, SMART l'entend, une entreprise qui se gouverne par l'association de ses autonomies individuelles qui se reconnaissent sur ce principe d'égalité. Alors, en construisant une telle coopérative, partagée, c'est-à-dire donc qui cherche à se gouverner démocratiquement, SMART cherche à se donner les meilleurs moyens pour mettre l'ensemble de ses investisseurs en travail, je vais revenir sur le terme, en position de peser sur les finalités poursuivies. Hein, puisque l'autonomie, c'est sur le nomos, c'est sur les finalités. C'est pas faire s'agiter les gens sur les meilleurs moyens d'eux, c'est qu'est-ce qu'ils souhaitent faire? Quelles sont les finalités qu'ils souhaitent poursuivre au niveau individuel comme au niveau donc collectif? Alors vous entendez donc que j'utilise ce terme d'investisseur, investisseur en travail, parce que je pense qu'on a bien trop souvent réservé le terme d'investisseur aux investisseurs financiers, alors que l'investissement le plus précieux et le plus précieux dans l'économie en tant que tel, c'est l'investissement en travail, c'est-à-dire en personne, en cerveau, en totalité de l'esprit humain qui met le meilleur de lui-même à la recherche d'accomplissements X ou Y. Et donc, je ne vois pas pourquoi le terme d'investisseur devrait être réservé au seul investisseur en capital
qui, eux, finalement, ne mettent qu'un instrument au service d'une aventure économique. Dans le projet de Smart, précisément, il n'y a pas de place pour l'investisseur en capital, cet instrument-là, mais il n'y a que place dans l'exercice des décisions sur les finalités que pour les investisseurs en travail, c'est-à-dire vous, les membres de Smart, usagers de Smart, mais aussi les permanents de Smart, ceux qui sont ceux qui permettent au quotidien l'existence même également de Smart en tant que capacité collective au service de l'ensemble. Donc, j'ai essayé de mettre sur la table ce premier enjeu, toujours une intrication entre un niveau individuel et un niveau collectif au niveau de la définition des finalités. Deuxièmement, coopérer, c'est toujours aussi un enjeu de structure. Si vous comprenez donc bien cet enjeu de l'intrication entre autonomie individuelle et collective, alors il faut se préoccuper de l'architecture des pouvoirs. C'est une chose aujourd'hui qui est souvent négligée, parce que, en fait, il n'y a pas d'autonomie individuelle sans autonomie collective, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sans construction donc collective volontariste d'institutions, la capacité des individus va être éminemment impactée. Alors, souvent, et il suffit de regarder l'histoire, hein, la capacité à développer les choix que l'on souhaite pour sa propre vie, eh bien, cette capacité, si on en reste à la loi du plus fort et qu'on ne construit pas des institutions, eh bien, on voit très bien que c'est effectivement les plus forts qui vont pouvoir faire les meilleurs choix pour eux-mêmes. Aujourd'hui, il est temps de poursuivre ce qui avait été démarré par la négociation collective, par exemple, au tournant du siècle dernier, c'est-à-dire dans la négociation collective, les organisations syndicales se sont battues pour construire justement une autonomisation au niveau collectif des travailleurs, c'est-à-dire sortir le travailleur du rapport interindividuel, parce que ce n'est pas là que ça doit se jouer à un niveau plus collectif où ensemble, l'ensemble des investisseurs en travail peut jouer sur le rapport de force avec le donneur d'ordre. Et ce qui a été tenté durant toute l'année dernière avec Deliveroo, de constituer par Smart ce collectif de cyclistes Deliveroo et de tisser le lien de solidarité avec les organisations syndicales, est une tentative extrêmement intéressante d'avoir à construire une proto-institution qui n'a pas pu aboutir, parce que Deliveroo, évidemment, n'était pas intéressé de construire des institutions, mais une tentative de justement construire l'architecture du rapport de pouvoir. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de discours, d'enthousiasme sur l'organique, l'informel, la plateforme, évidemment, et on voit bien que se cache là derrière l'enjeu de ne pas révéler quelle est la structure de pouvoir, et aujourd'hui, partie, je pense, de l'enjeu d'une discussion comme celle qui va animer toute la journée, c'est de réfléchir justement à excaver, si vous voulez, à faire émerger les structures de pouvoir qui sont derrière les rapports économiques et que nous avons les moyens d'imaginer sans doute différemment pour le futur. Troisièmement, c'est toujours aussi un enjeu de culture. Ce n'est pas qu'un enjeu de structure, la coopération. C'est toujours un enjeu de structure. Les structures ne suffisent pas. La structure est à l'organisation, ce qu'on pourrait dire le squelette est à l'être humain. Il vous faut évidemment un squelette. Si vous n'avez pas de squelette, ben vous ne savez tout simplement, vous n'existez tout simplement pas. Mais votre squelette peut évidemment vous peser ou bien vous porter. Et l'enjeu d'une structure, c'est qu'elle vous porte, évidemment, en tant qu'organisation. Alors aujourd'hui, l'Assemblée générale, c'est évidemment un moment où l'on voit bien, déjà par le choix que Smart fait de se donner une journée et pas de caler ça à 19h30, un obscur jeudi soir, vite fait, bien fait, pour ficeler l'affaire, mais se donner une journée pour échanger, réfléchir et nouer tous ces liens d'échange qui font vraiment le tissu coopératif et sans lequel une structure, même coopérative, même la plus belle structure qui soit, ne peut pas donner ce qui est recherché ici ensemble.
Alors, j'avance, quatrième point, contre le travail marchandise. Oui, j'avais une belle fin de ce point 3, mais je l'ai escamoté pour être dans les temps. Mais donc, l'enjeu n'est pas modeste, et ça, je suppose que vous le voyez bien. L'enjeu que porte SMART n'est pas un petit enjeu, parce que il s'agit véritablement de l'enjeu de penser une économie qui est compatible avec le projet démocratique. Puisque SMART est dans l'économie, les membres de SMART sont pleinement dans l'économie, mais ils essayent de s'organiser d'une manière qui est compatible avec le projet démocratique, sur base de la reconnaissance de leur égalité, en construisant une structure qui témoigne de ce principe démocratique et nourrir cet idéal démocratique en ce que la structure, la culture, c'est toujours dans une dynamique. Une dynamique. Bon, donc, alors, construire une économie qui est compatible avec le projet démocratique, dit comme ça, ça a l'air un peu simple, mais en fait, est-ce qu'il y a une économie qui est incompatible avec le projet démocratique ? Et évidemment, et c'est l'économie dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Le principe du capitalisme, et c'est là que je dis que l'enjeu de SMART n'est pas modeste, parce que le principe du capitalisme, c'est un principe politique. C'est le principe qui veut organiser le régime productif sur base de l'inégalité structurelle de ses investisseurs, sur base de l'idée que seuls ont des droits politiques, seuls peuvent gouverner, seuls peuvent peser sur le nomos, ceux qui apportent du capital. Les autres, les investisseurs en travail, eh bien, ils exécutent. Or, la reconnaissance de l'égale dignité, vous savez que c'est un principe, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un principe qui n'est pas un petit principe. C'est un principe, cette déclaration, que les nations du monde entier ont ressenti comme besoin, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'établir comme un principe qui devait structurer nos rapports sociaux en général, pas seulement nos rapports politiques, mais également nos rapports économiques. Ce principe, il fait évidemment référence à une réalité organisationnelle, se structurer sur une base démocratique dans le quotidien, y compris dans le travail, y compris dans l'économie. Donc vous voyez là combien le capitalisme est un régime de gouvernement, en fait, qui maintient, si vous voulez, présent dans notre société aujourd'hui, un principe d'inégalité structurelle qui est fondamentalement opposé à ce premier principe de la Déclaration universelle des droits humains. Et ça, eh bien, il ne faut pas s'en étonner qu'aujourd'hui on entende toute une série d'appels en disant « il faut remettre l'humain au centre ». Hein, je pense encore à tout ce qui s'est passé autour de ce décès tragique de cette petite Maouda. On entend les gens tomber des nues en disant « mais l'humain, où est l'humain ? On ne reconnaît même plus l'humain ». Mais nous vivons dans un système qui se permet tous les jours de prendre les individus, certains d'entre eux, pour des marchandises. Et ça, c'est le principe donc, qui structure le capitalisme, le principe de ne pas reconnaître l'égale dignité de chacun, à peser sur les finalités, à peser sur le gouvernement du vivre ensemble, y compris dans le travail. Et donc, cette présence d'une contradiction aussi flagrante aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas s'étonner, ça pose énormément de problèmes. Et en ça, je pense que donc, le projet de SMART est un projet éminemment précieux, et c'est formidable de voir, et je pense que là, toutes les personnes présentes et présentes virtuellement, etc., ne peuvent que s'en réjouir. Il y a toutes les raisons de voir que les gens sont aujourd'hui dans une situation où ils se rendent compte qu'effectivement, nous voulons organiser notre vivre ensemble sur des bases différentes. Nous voulons nous reconnaître cette égale dignité. Et ce n'est pas seulement que nous le voulons, c'est que c'est possible. Et c'est de ça aussi que SMART essaye de faire la démonstration. Dernier élément, nourrir des conflits productifs. Alors, laissez-moi donc terminer en attirant votre attention sur un enjeu compliqué dans les contextes démocratiques. Il faut apprendre à se disputer sereinement.
dans le manifeste convivialiste qui est promu par les anti-utilitaristes, dont Alain Caillé en France, que certains d'entre vous connaissent, et qui partagent une vision coopérative et démocratique de l'économie, on trouve, je trouve, une belle formule pour penser ce défi de la coopération, apprendre à coopérer en s'opposant sans se massacrer. Tout un programme, n'est-ce pas? Donc, dit plus simplement, il s'agit effectivement de savoir que la coopération naît du pari de la rencontre des intelligences. Les intelligences qui sont toutes différentes. Et c'est de cette rencontre, de points de vue différents, divergents, que ne peut que naître l'intelligence collective supérieure. Mais purée, parfois, comme c'est pénible. C'est pénible, c'est hyper pénible, c'est sûr. Mais face à ce défi, donc, il faut des structures et une culture. Il faut des structures qui sont suffisamment solides pour que les débats soient possibles, pour que les débats puissent exister alors que les divergences se font jour. Il faut des structures qui poussent les uns et les autres à aller au-delà de leurs divergences pour valoriser le fait de se comprendre plutôt que de valoriser le conflit, de ne pas s'enliser dans le conflit. Et une culture qui valorise l'apport justement de ces divergences, qui peut applaudir, se réjouir, de se dire, eh bien, quelqu'un défend un point de vue autre, eh bien, nous l'écoutons parce que nous sommes d'autant plus forts que nous sommes capables de l'écouter. Et puis, ayons confiance en nous-mêmes. En tant que collectif, nous pourrons nous déterminer. Là est vraiment l'enjeu de nourrir ce caractère d'une culture démocratique qui fait si souvent défaut à nos sphères politiques. Et là où une expérimentation telle que celle qui se passe dans Smart a une importance qui va bien au-delà même des problèmes économiques qu'elle permettrait de résoudre au plan individuel. Ici, c'est vraiment l'enjeu de tisser ce lien, cette coopération entre du local, du global, du digital. Une structure représentative, pyramidale, à l'ancienne, on pourrait dire de la démocratie, mais on n'a pas encore trouvé mieux pour s'assurer qu'un minimum de représentativité soit donné aux décisions les plus importantes. En même temps, la présence d'un héritage syndical avec un conseil d'entreprise. En même temps, une solidarité transnationale qui se construit dans plusieurs pays en même temps. Et tout cela dans l'enjeu de nourrir une culture participative. Alors, laissez-moi terminer avec cette phrase tirée de Servigne et Chapelle. Les organismes qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas les plus forts, mais ce sont ceux qui arrivent à coopérer. En étant contagieux au sein de Smart, à sa périphérie, en construisant patiemment les alliances nécessaires telles que vous le faites, en vous écoutant les uns les autres, en m'écoutant, merci. Vous avez les moyens, petit à petit, de transformer une économie qui ravage la planète et qui ravage nos démocraties. Afin que cette économie serve alors les finalités que vous souhaitez lui assigner, dans la solidarité, sans jamais prendre un humain ou un océan pour un instrument. Je vous remercie, je vous souhaite une super journée de coopération.